Outre ses missions essentielles, qui sont le recouvrement de cotisations sociales, le paiement de prestations en vue de lutter contre la précarité qui peut toucher ses assurés du fait d'accidents du travail, de maladies professionnelles, etc., la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, sous la houlette de son infatigable directeur général, Charles Moudiaï Kazadi, s'inscrit dans la vision politique Le Peuple d'abord, qui cristallise avec brio le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette perspective que le directeur provincial de la CNSS Casse-Orientale a été instruit déposer des actions sociales en faveur de vulnérables de la province. Du mercredi 15 au vendredi 17 mars 2023, à Lidor, Mamina Kaïcha, accompagnée d'une forte délégation, sont passées à l'acte, remettant de vivre et non vivre à ces catégories de personnes en détresse. Au premier jour, la CNSS a remis un lot de 400 tôles aux commerçants et commerçants victimes du dernier incendie d'origine floue intervenu dans la nuit du 28 janvier 2023 au marché Bakwadianga dans la ville de Mbujimayi. La cérémonie est organisée à la mairie de Mbujimayi en présence du maire Jean-Marie Lutumba, de la ministre des Droits Humains, Dr Sylvie Mbouyi, du patron de la Fédération des entreprises du Congo, Dominique Ilunga, des syndicalistes du secteur économique et de représentants de bénéficiaires. À cette occasion, le directeur provincial de la CNSS a circonscrit le cadre de cette action sociale. Parce que nous avons tous été témoins du triste événement qui est survenu au niveau de notre grand marché, communément appelé marché Bakwadianga. Nous avons porté cette information à notre hiérarchie, au niveau de la direction générale. Et comme dans nos objectifs, au niveau de la CNSS, nous avons une action que nous posons régulièrement, ça peut se faire une ou deux fois par an, qu'on appelle action sociale. Dans ce cadre-là, nous apportons un soutien généralement à nos différents bénéficiaires, des retraités, des orphelins, des veuves. Mais l'événement qui est survenu au niveau de Bakwadianga, cet événement a certainement affecté nos vulnérables que nous prenons régulièrement. Voilà pourquoi la direction générale nous a instruit d'apporter un soutien à ce triste événement qui a affecté certainement, comme nous le savons, toute la ville de Mbujimayi. Voilà pourquoi ce jour, nous avons apporté une contribution constituée de 400 tôles que nous allons vous remettre en présence de la FED et du bureau de l'association de nos amis de Bakwadianga, comme notre modeste contribution à ce triste événement qui a affecté votre ville, notre ville. L'autorité urbaine est un homme comblé. Tout en disant son satisfait, il invite les autres à imiter la CNSS. Maître Jean-Marie Lutumba. Au nom de la mairie de Mbujimayi, ce n'est que vous dire un grand merci pour votre assistance. Ceci manifeste la bonne volonté, l'accompagnement et la façon de compatir ensemble avec les compatriotes qui sont victimes de l'incendie du marché central de Bakwadianga. Pour notre part, nous vous demandons de ne pas vous arrêter à cet acte et de continuer toujours à soutenir la ville de Mbujimayi. Sur ce, je vous dis grand merci au nom de la ville de Mbujimayi, au nom des commerçants de cette ville du marché central de Bakwadianga. Et je ne me limite pas par vous. Je lance encore un appel très fort à toute personne de bonne volonté. Il est temps de manifester l'amour de vos frères et sœurs qui sont victimes de l'incendie au marché de Bakwadianga. De continuer toujours à nous assister, cela nous amènera à construire un bon marché. Juste après, sur le tour de quatre orphelinants de la ville de Mbujimayi, sous une pluie battante, Mamina Kaïcha visite tour à tour Dieu soit béni de Simis, Betoubana, Saint-Joseph Benachibouaboua et Saint-Vincent de Paul. Partout où les émissaires de la CNSS sont passés, ces enfants en rupture des liens familiaux les ont ovationnés et implorés les mânes. Enfants vulnérables du centre, Dieu soit béni. Nous sommes très heureux de votre visite dans nos murs pour nous consoler pendant que nous traversons un moment très difficile dans notre centre. Nous disons merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au directeur général des caisses nationales, sans oublier tous les travailleurs de cette organisation pour cette œuvre de charité. De tout cœur, nous vous disons sincèrement merci. À Betoubana, par exemple, la sœur Odile, qui gère ce centre d'hébergement, a exprimé sa gratitude envers la CNSS. Ce que je peux leur dire d'abord au directeur et à toute la suite, c'est
de vous traduire notre reconnaissance, notre gratitude, puisque avec ces gestes, ça nous encourage aussi à encadrer ces pauvres qui sont à notre charge. En tout cas, un grand merci. Nous ne pouvons pas vous oublier dans nos prières. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous donne plus, pour qu'à votre tour, vous pensez aussi à ces pauvres. En retour, la CNSS a remis un lot de vivres à ces orphelinats. Il est essentiellement constitué de la farine, du maïs, du riz, du sucre, du sel, de poissons salés, de poulet et de boîtes du lait. Jeudi 16 mars, comme un marathonien, Alidor Mamina Kaïcha a bouclé les rendez-vous des 6 orphelinats de Mbujimayi et d'un à l'intérieur de la Provence. Il s'agit de Mouetou Don Bosco, Aminata Moussadi, un centre d'hébergement islamique, La Miséricorde, Maman Angélique, Bethany, ainsi que Notre-Dame de Pauvres, basée à Bakwaboa, en territoire de Katanda. Comme au premier jour, l'ambiance a débordé et les mots ont tari. La joie est immense de voir votre présence ici chez nous. Kajang signifie centre d'assistance des jeunes abandonnés du Congo. Kajang héberge 49 enfants présentement ici. Mais il y a des extensions qui sont à Mwenebitu et à Bakwasumba. Pour ce geste, en tout cas, je vous dis sincèrement merci. Que Dieu vous bénisse parce que la Bible dit « Qui donne aux pauvres prête à Dieu ». Vous l'avez fait. À la dernière étape de ces actions sociales, les personnes du troisième âge ont eu un sourire aux lèvres. La CNSS s'est rendue à l'hospice des vieillards de Chibombo Chimwangi. Le même lot de vivres y a été remis. Une bénéficiaire qui était au firmament a pris parole au nom des autres pour encenser cette caisse nationale issue du régime général de sécurité sociale. Ces actions sont rendues possibles par les cotisations sociales, d'où l'appel pathétique d'Alidor Mamina Kaïcha aux entreprises locales. C'est pour ça régulièrement, il vient dans le cadre de la vulgarisation du régime général de sécurité sociale, elle vient vous rappeler que lorsque vous avez des travailleurs, lorsque vous êtes employeur, il faut vous affilier, il faut immatriculer ces travailleurs pour que demain, la CNSS puisse prendre en charge les vulnérables, les victimes des risques sociaux. Le devoir de vous protéger est le slogan de la CNSS, un service vital dont le relèvement du social congolais, cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton.